c'est ma cour arrière où c'est que moi et les chiens, on s'installe. Mon jardin d'eau, ben, comme tu peux voir, il y a plein de fleurs. Avec mes poissons, je n'aime pas. C'est en arrière, c'est dans le petit coin. Ça, c'est ma corde à linge. Ici, tu as des framboises. Ici, tu as des bleuets. Ça, ben, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais c'est immense et c'est beau. Ici, il y a d'autres belles fleurs. Ici, il y a des groseilles. On m'a dit que c'était peut-être des groseilles, donc je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est la vue que j'ai de la cour avec mes chiens. C'est un champ de culture avec les arbres. Ici, j'ai un arbre en fleurs, mais il n'y a plus même de fleurs dedans. Ça, c'est un prunier. Il y a des petites prunes dedans là, qui commencent à pousser. Celui-là, je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est un champ de culture aussi que je vois de l'autre côté de ma cour, avec les fermes là-bas dans le fond. Je me suis mis un hamac, mon petit oasis de paix. Puis on revient au départ où c'était le bassin d'eau. Ça, ça se trouve être ma cour arrière pour les chiens. OK, là, on arrive sur l'autre côté de la maison. Ici, il y a ma grange. À côté, il y a l'atelier. En arrière. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soleil. Ici, ça se trouve être en arrière de ma cour que je t'ai montré tout à l'heure. Ici, c'est des fleurs, je sais pas ça va être quoi. Là, je vais passer en arrière de l'atelier pour te montrer les vignes. Comment elles sont belles. Regarde, elles sont grosses. Elles sont toutes pleines de petits raisins comme ça. Je les ai taillés hier pour que les raisins puissent devenir plus gros parce que c'est plein de petits raisins qui sont en train de pousser. Ça, c'est un ancien silo à grains. Ici, tu trouves avoir les belles grosses framboises qui sont en train de pousser. Ici, c'est un jardin que j'ai pas fait encore, que je vais devoir remettre à l'année prochaine. Sur le côté, il est rempli de cerises avec une vigne. Ça, c'est la vue que j'ai toujours en arrière. Ici, c'est un groseillier avec un prunier. Mon terrain se situe jusqu'à la maison que tu vois. Donc, c'est comme trois terrains que j'ai. Ça va jusque-là. Je fais le tour. Tu sais, c'est des petites maisons d'hirondelles. J'en ai fait le tour du terrain. Là, elles sont toutes parties. Ici, c'est un petit fossé avec des fleurs. Ici, je me suis mis un petit verre pour pouvoir me relaxer. On revient vers l'autre côté. Où est-ce qu'il y a ma maison? Que je vais mettre le toit rouge.
peux voir. Ça, c'est un puits artésien. Ça, c'est Kali. Ganesh. Charlie. C'est tout. Je vais faire la visite du terrain, sauf en avant. OK, bye bye, Yolande.